Je joue à des jeux d'horreur depuis quand? 8, 10 ans? Et j'ai découvert que la chose qui me faisait le plus peur dans un jeu, et bah c'était les autres. Chaque fois que j'étais le plus stressé, c'était lorsqu'il y avait un autre joueur qui essayait de me tuer. Et manque de peau, le sponsor de cette vidéo, c'est Hunt Showdown. D'ailleurs, merci Hunt Showdown de sponsoriser cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Hunt Showdown est un survival horror multijoueur. Le jeu est développé par Crytek et est sorti il y a 4 ans. Et reçoit très souvent du nouveau contenu. Si je vous parle de Hunt aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une méga promotion. Bon, c'est valable jusqu'à aujourd'hui, donc faut se dépêcher. Hein. Ça s'appelle le Moonrise Bundle. Pour la première fois, le jeu est à moins 55%. Après, le 7 avril, le Moonrise Bundle aura une réduction de 35%. Là, tout de suite, il y a un événement qui s'appelle Traitor's Moon et qui est valable jusqu'au 14 avril. Vous pouvez y débloquer des nouvelles armes exclusives, donc c'est vraiment le meilleur moment pour commencer. Le lien dans la description. Donc on revient à ce qui me fait vraiment peur dans les jeux. C'est bête hein, quand c'est un jeu multijoueur, mais bon, je sais pas, j'ai toujours ce petit stress lorsque je sais qu'un autre joueur rôde autour de moi. Et lors d'une chasse de Hunt, eh ben le problème c'est qu'il y a d'autres joueurs qui viennent autour de toi. Oh mon dieu, il y a tout pour faire du bruit dans ce jeu qui te fait repérer en fait. Hein. Vous avez entendu? Ça c'est un coup de feu. Là mon problème c'est que je suis en train de faire voler tous les corbeaux du quartier. C'est là que tu dis, ouais le stealth et Seros, ça fait deux. J'étais tellement parano que je sursautais au moindre bruit. Alors chaque bruit que j'entendais était pour moi le signal d'une mort brutale. J'essaye quand même de rester maximum aussi prudent. Je vous promets rien. Je promets pas en fait de voir les gens en premier. Y'a quelqu'un d'Aza. Oh ah non. Et c'est là que le drame se produisit. Mon premier contact avec ce monde violent et horrible. Plus alerte que jamais, je reviens sur le game, ok? On va jouer ça différemment maintenant. On va être très très discret. Ok. J'ai entendu un cheval crier et je croise mon premier chasseur. Ok. Alors pour une fois, je ne suis pas tué directement. J'ai vu l'ennemi avant, j'ai juste pas réussi à le toucher. Je vous avouerai que, pour le coup, je stresse un tout petit peu. Salut tout le monde, salut. Les chevaux savent crier. Les chevals, ouais, les chevals. Alors oui, là, pour le coup, vous me voyez me cacher comme un lâche. Mais je suis encore en vie pour en parler. Ça veut dire quelque chose. Let's go. Woo. Dab. Let's go! Mais Hunt Showdown n'est pas tendre. Ce que Hunt Showdown donne, Hunt Showdown reprend. Merde! Ok, il y a un gars qui est pas loin. Ça court dans tous les sens, les gars, j'aime pas ça. Fuis! Il y avait un autre joueur dans les parages. Je peux vous avouer que je stresse de ouf, en fait. Non. Et
et je ne me laisse pas abattre. Dans ce cas-là, si, je me suis fait abattre, mais cette partie est vraiment différente. Je décide d'être plus actif. C'était pas loin ça par contre. Je peux le piller. Dégage, j'ai eu un chasseur. J'avance et élimine mes cibles une à une. Je me crée un chemin vers l'objectif. Indice après indice. Quand celle-ci se profile enfin devant moi. C'est bon, je sais où il est. Il y a un rituel. Merde. Quelqu'un l'a déjà tué. Il faut que j'aille vite. Il faut que j'aille tuer le mec qui l'a tué. Mais je ne suis pas seul. J'entends les pas et tire au loin. Je décide de me rendre discret. Enfin, du mieux que je peux, ok. Je reste moi, ok. Mais c'est là que j'entends les voix des autres joueurs. C'est pas fini. Fuck. Ils arrivent. Je sais pas, je les vois plus. Il est pas loin en fait. Il est juste là. Oh! Oh! Et il s'est passé quoi ici? Oh, je me tire alors! Alors ce combat, mes amis, était l'expérience la plus exaltante et stressante que j'ai pu faire au cours d'un jeu vidéo. Je me sentais fort de cette victoire, mais ce n'était pas fini. Ne jamais crier victoire trop tôt dans Hunt Showdown. Jamais. La sortie la plus proche est par là-bas. Boy.
Le problème, c'est que maintenant que j'ai la prime... Alors, les gars, le truc, c'est que maintenant que j'ai la prime sur le dos, tout le monde sait où je me trouve. Sauf s'il n'y a plus de joueurs sur la map. Ça, je ne peux pas savoir, en fait. Combien de joueurs il y a? Putain. Tu vas te faire repérer. Mais oui, mais c'est normal. Mais il faut que j'y aille. Vos gueules, les corbeaux, vous êtes sérieux? Je vais me faire... Je peux gagner uniquement si vous arrêtez de fermer vos gueules. Le français c'est dur. Comment il parle à ses soutiens invétérés? Hey, je fais du mieux que je peux, ok? Je stresse de ouf là, les gars. Je me prends une balle parce que là ils peuvent m'attendre littéralement à la sortie, hein. Tu sais, les zombies dans tous les sens. Mais ta gueule, cheval! J'ai peur de tout là, les gars, j'ai peur de tout. Et encore, même si j'arrive à l'extraction, c'est pas dit que je gagne, parce qu'il faut que j'arrive à survivre 30 secondes. Non, t'es gueule le cheval. Mais t'es sérieux, cheval? Allez, on y croit. La première win. Non mais, et le jinx c'est pas, les gars, le jinx c'est pas, hein. Non. Oh, mon cœur il battait si fort, les gars. J'avais si peur. Bon, écoutez, j'ai voulu vous offrir une excellente victoire pour cette vidéo, ça aurait été formidable. Pour moi, je considère cette partie comme, comment dire, une évolution. J'ai vaincu ma peur de l'autre, en tout cas j'ai essayé, et j'ai failli, et c'est important, j'ai failli atteindre mon but dans le jeu. Donc, moi, pour moi, c'est une victoire. Vous en pensez quoi? Alors, si t'as aimé le format de cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Parce que je pourrais en faire plus souvent, ça peut être sympa à découvrir. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, balance ton pouce bleu et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater dans les futurs épisodes. Ah oui, j'ai une chaîne Twitch, twitch.tv/Seros. Rejoins-y moi pour voir mes lives, tout simplement. Ou alors, n'hésite pas à rejoindre une de mes multiples chaînes YouTube, j'en ai 3. Ou mes 2 chaînes TikTok, ouais. Je sais pas pourquoi j'en ai autant. Mon Instagram ou mon Twitch, j'ai trop de réseaux sociaux.